tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Dans cette vidéo, je vais tout simplement manger le Kinder en calendrier de l'avant Kinder, appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. Donc ça se présente comme ceci. Il est plutôt balèze. J'ai toujours rêvé d'en manger un. Hein. J'en ai jamais eu dans ma tendre enfance. Chaque fois, je les voyais. Quand je passais avec ma mère, bah là, maman. J'en ai enfin acheté un, voilà. Et je vais le manger d'un coup, d'une traite, parce que c'est ce que j'aime bien faire, voilà. Donc je vais le déballer tout de suite. Et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Hop là. Donc je vais faire case par case, étape par étape. Je sais pas si je vais tout manger, mais en tout cas je vais ouvrir toutes les cases. Donc désolé aux gens que je spoil. Paf, ça va prendre l'air. On est des gros dégueulasses ici. Mais elle est où la case numéro 1? La case numéro 1, elle est là. J'ai l'impression qu'on commence fort parce que la case est plutôt grande. Attendez, je vous montre. Je sais pas si on voit. Bref. C'est parti. Oh là là, on commence fort, j'ai l'impression. On commence fort avec un magnifique bonhomme Kinder. Je vais le déballer tout de suite. Je vais foutre ça là. Tac, comme ça. Wesh, ça tient pas droit, c'est complètement con comme système. Bon, on va goûter ça. Oh, ça sent Kinder, ça sent bon. L'intérieur, c'est comme dans les Kinder œufs là. Kinder surprise. Pas mal, Kinder. Ça commence bien. Je vais ouvrir la deuxième case si je veux bien la trouver. Elle est où cette deuxième case de merde? Allô? Ah, c'est bon, je l'ai trouvée. Ok. Elle est plus petite cette fois. Elle est là. Je sais pas si on voit. C'est chiant à déballer. Oh, ça m'a déjà cassé les couilles. Sans vouloir être vulgaire, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez déjà eu un calendrier de l'Avent. Ok, c'est un bon œuf. Donc je valide. Ok, case numéro 3. Bon, je vais pas faire à chaque fois. Case numéro 3 qui est tout simplement. C'est bon. Donc la case numéro 3, je comprends. Case numéro 4, encore un œuf. Je pense pas que ça va être très varié, très honnêtement. Je me suis pas spoil, mais il n'y avait pas l'air d'y avoir grand chose de varié. Voilà, l'œuf se présente comme ceci. La case numéro 5. Tac, désolé pour le bruit que ça fait quand j'ouvre. Et c'est un chocobon, encore une fois. J'ai l'impression qu'on va avoir que ça. Donc, 5e jour de décembre. Un chocobon. Oh, la case numéro 6 est plutôt grande. Je vais vous montrer. Elle est grande comme ça. Oh, un Père Noël Kinder. Regardez-moi ça. Attendez.
Kinder pour m'avoir acheté, avoir fait acheter ça, alors que ça ne vaut pas du tout son prix, je paye juste l'emballage. Donc oui, j'ai payé ça genre 8 €, ce qui est complètement abusé, hein, vu la quantité de chocolat qu'il y a dedans. J'ai l'impression que ça va être un petit œuf de merde, voilà. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes œufs entre eux et c'est des goûts différents. Donc je vais goûter celui-là pour voir si ma théorie se confirme ou si je suis complètement un connard. J'arrive pas à ouvrir l'œuf. La case numéro 9. Oh. Attention, c'est nouveau. Case numéro 9, on a un Kinder Maxi. Ça, ça fait plaisir. Tac, comme ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. C'est tout ça. Délicieux Kinder Maxi. Alors la caisse numéro 12. Encore un petit œuf de merde. Caisse numéro 12. Donc ça c'est ceux que j'aime le moins. Mais je pense que c'est ceux qui coûtent le moins cher à produire. Forcément. C'est des petits œufs. Tout pourris. Des petits œufs, pardon. Soit la moitié du calendrier. Case numéro 13. Un chocobon. Hop.
prochaine case 14. Un petit œuf de merde. Hop. Merde. Tac. Ok. Petit œuf, attention. Je crois qu'on va avoir un truc bien là. 17e. C'est ici. Un chocobon. Hop. Non mais qui respecte son calendrier de l'Avent? Ça vous le demande. Perso, j'ai jamais pu le respecter. Kinder Maxi. Oh la gueule de mon bureau avec tous les emballages Kinder. Bon là je commence vraiment à être écœuré. Alors numéro 18. C'est numéro 19. Numéro 19, il s'agit d'un chocobon. On s'approche du numéro 24 qui est une grosse case. Je pense que c'est un 9. Numéro 22, je peux déjà le deviner, c'est un petit œuf de merde. Voilà. Numéro 23. Un chocobon.
ouvert sauf le 24. Je vais ouvrir le 24 devant vos yeux ébahis. Bon, ça va casser les couilles. Je vais regarder ce que c'est. J'espère ce qu'ils disent. Attention, suspense. Effectivement, c'est un petit Père Noël à monter comme ceci. Bon, moi je le monte pas parce que je suis.